A-t-on tiré les leçons de l'accident nucléaire de Fukushima? Des experts japonais, y compris de la nouvelle autorité de régulation nucléaire, en doutent. Les autorités veulent réactiver certaines centrales, comme celle de Kashiwazaki-Kariwa, où l'on élève le mur de protection contre les tsunamis, mais le principe de précaution n'est pas respecté. Nous prenons en compte le cas où le tsunami serait beaucoup plus fort que prévu dans nos calculs, se défend ce responsable de l'exploitant TEPCO, et nous prévoyons les conséquences pour le système de refroidissement. Ce que TEPCO oublie, c'est que plusieurs sites nucléaires au Japon se trouvent sur des failles sismiques. Les opposants au nucléaire dénoncent un mépris de la sécurité. Par exemple, la faille qui est sous la centrale d'Ōi, la seule qui fonctionne dans le pays, est bien active. Des géologues s'en préoccupent.